Mouguras Constantinescu, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan pour une lecture critique des traductions. Alors ma première question sera simple. Qu'est-ce qui motive du coup votre choix d'une lecture critique des traductions? C'est un sentiment d'urgence et de nécessité d'imposer une critique des traductions spécifique sur le texte traduit par analogie à la critique littéraire. Donc la critique littéraire se porte bien, elle a plusieurs formes, plusieurs genres, sous-catégories, tandis que pour le texte traduit, qui passe par tout un processus, il n'y a pas vraiment un regard critique, une évaluation, une appréciation. Il y a plusieurs ouvrages de traductologie qui portent sur ce qu'on appelle critique des traductions, mais qui imaginent un système assez complexe pour pouvoir évaluer une traduction. Moi, je propose par lecture critique quelque chose de plus simple, plus souple, pour faire place aussi à des formes plus brèves comme compte rendu, comme chronique, comme commentaire sur la traduction et qui doit porter sur toutes les transformations que le texte subit à travers le processus de la traduction. Donc, non pas sur l'original, parce qu'il ne n'arrive pas identique dans la culture d'accueil. Alors du coup, en quoi consiste la nouveauté de votre démarche? Quel est le point de vue théorique et le point de vue pratique? Je dirais que la nouveauté consiste justement dans cette forme plus large, plus démocratique d'évaluation de la traduction, donc faire place à des formes plus humbles, plus modestes, moins visibles, plus éphémères d'accueil de la traduction. Donc chaque fois qu'on fait une appréciation, une lecture, une évaluation de la traduction, on peut parler déjà d'une forme préparatoire de la critique de traduction. Et j'ai pensé fédérer sous cette étiquette lecture critique toutes ces formes un peu négligées. Parce qu'on ne peut pas imaginer pour chaque ouvrage une monographie qui passe par toutes les étapes d'un système bermanien de la critique de traduction. Donc en quelque sorte, le titre que j'ai choisi a un côté polémique parce que le livre clé, qui est toujours de référence pour la critique des traductions, c'est le livre de Berman qui s'appelle « Pour une critique des traductions ». Moi j'ai ajouté « lecture » pour faire plus large, plus souple, plus accueillant peut-être. Et point de vue pratique, j'ai choisi un corpus comme je viens de la culture roumaine, j'ai choisi un corpus qui assure ce va-et-vient entre culture française et culture roumaine, où se trouvent les textes de Balzac, de Jules Verne, mais aussi d'auteurs francophones comme Panayiotis Strati, auteur roumain mais qui a publié en français, de Marthe Bibesco, la princesse, elle aussi, auteur francophone. Et j'ai envisagé cette lecture sur plusieurs types de textes. Donc déjà des canoniques, Balzac, Jules Verne, mais aussi des auteurs modernes, des textes poétiques, donc Henri Michaux, Yves Bonfoy pour la poésie, des textes plus difficiles à rendre, ludiques, inventifs, créatifs, comme Raymond Queneau et Les Fleurs Bleues ou Zazie dans le métro. Et comme j'ai fait ma thèse sur les contes de Perrault, je suis revenue aussi sur la traduction du conte littéraire, qui va souvent vers l'adaptation, vers l'abréviation. Donc c'est tout un problème de pouvoir lire les contes de Perrault dans leur subtilité, dans leur raffinement originel aussi. Et comme cette critique de traduction ne peut pas exister seule, j'ai envisagé un entourage pour elle. Et j'ai introduit dans mon ouvrage des entretiens avec des traductologues et traducteurs et aussi quelques portraits de traducteurs qui sont toujours un peu dans l'invisibilité. Donc j'ai dit que ça va assurer un bon entourage. Alors votre travail sur une lecture critique du texte traduit est-il achevé, clos? Et sinon, y aura-t-il une suite? Je pense qu'oui, qu'il y aura une suite, parce que j'ai eu des réactions favorables. Moi, je suis enseignante, donc je travaille sur la traductologie, je suis aussi traductrice, mais j'ai eu des réactions de la part des collègues d'autres universités, donc soit chercheurs chevronnés, soit jeunes chercheurs, soit étudiants,
J'ai eu le lancement de livres à l'Université d'Ottawa, à l'Université d'Athènes, il y a quelques jours à Saint-Denis à Paris. Donc ça m'a donné beaucoup de courage. Donc je crois que cette lecture critique intéresse. Et j'imagine donc une suite où je vais cibler un peu vers des problématiques moins explorées comme la créativité dans la traduction, la subjectivité dans la traduction, la part de ludique. Donc ce sont des domaines qui sont traités plutôt de façon implicite. Et je pense que ce serait tout aussi passionnant d'ouvrir et de creuser dans ce sens-là.